je vous aider? Posso aiutarla in qualche modo? Je suis libre maintenant. Sono libero ora. Je veux évoluer professionnellement dans ma carrière. Voglio crescere professionnellement nella mia carriera. Je vais me coucher tôt ce soir, je suis épuisé. Stasera vado a dormire presto, sono esausto. Il fait très froid aujourd'hui, tu ne trouves pas? Fa molto freddo oggi, non credi? C'est vrai que tu viens à la fête ce soir? È vero che stasera vieni alla festa? Je ne peux pas oublier ce que tu m'as dit, cela m'a beaucoup affecté. Non posso dimenticare quello che mi hai detto, mi ha colpito molto. J'essaie de trouver du temps pour me détendre pendant la semaine. Sto cercando di trovare il tempo per rilassarmi durante la settimana. Nous devons parler de ce qui s'est passé hier. Dobbiamo parlare di quello che è successo ieri. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas oublier d'acheter du lait au supermarché? Potresti per favore non dimenticare di comprare il latte al supermercato? Je vais appeler ma mère pour lui dire que je suis bien rentré. Chiamo mia madre per dirle che sono arrivato a casa sano e salvo. Mon objectif est de grandir en tant que personne chaque jour. Il mio obiettivo è crescere come persona ogni giorno. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre nouvelle coupe de cheveux, elle vous va très bien. Non ho potuto fare a meno di notare il tuo nuovo taglio di capelli. Ti sta benissimo. Je voulais vous demander si vous aviez des projets pour le week-end. Volevo chiederti se si avevi qualche programma per il fine settimana. Merci pour ton aide, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Grazie per il tuo aiuto, non ce l'avrei fatta senza di te. Puis-je vous demander quelque chose de personnel? Si tu ne veux pas répondre, ce n'est pas un problème. Posso chiederti qualcosa di personale? Se non vuoi rispondere, non c'è problema. J'ai envie d'aller au cinéma ce soir, ça te dit? Voglio andare al cinema stasera, ci stai? Parfois, nous voulons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. A volte vogliamo cose che non ci fanno bene. J'aime bien quand ma sœur fait des blagues, elle me fait toujours rire. Mi piace quando mia sorella fa delle battute, mi fa sempre ridere. Hier, à la conférence, j'ai rencontré une personne intéressante. Ieri alla conférence, ho conosciuto una persona interessante. J'aimerais mieux vous connaître, voulez-vous prendre un café Mi piacerebbe conoscerti meglio andrebbe di prendere un caffè? Aujourd'hui, j'ai envie de manger quelque chose de différent. Avez-vous des suggestions? Oggi voglio mangiare qualcosa di diverso. Hai qualche suggerimento? Pouvez-vous traduire cette phrase en anglais pour moi, s'il vous plaît? Puoi tradurre questa frase in inglese per me, per favore? J'aime voir comment mes plantes poussent dans le jardin. Mi piace vedere come crescono le mie piante in giardino. Voulez-vous faire une promenade cet après-midi? Ti va di fare una passeggiata oggi pomeriggio? Je recommande ce restaurant, la nourriture y est délicieuse. Le consiglio quel ristorante, il cibo è delizioso. Ils essaient de vendre la maison avant d'emménager. Loro stanno cercando di vendere la casa prima di trasferirsi. Quelqu'un a-t-il des idées Qualcuno ha qualche idea Je suis ouvert à toute suggestion. Sono aperto a suggerimenti. Je ne sais pas comment m'habiller pour la soirée de ce soir. Des suggestions Non so come vestirmi per la festa di stasera, qualche suggerimento? J'essaie de communiquer clairement mes idées lors des présentations. Cerco di comunicare le mie idee in modo chiaro durante le presentazioni. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe. Non ho davvero idea di cosa stia succedendo. Pouvez-vous m'aider à habiller le bébé pendant que je prépare le petit-déjeuner? pouvez puoi aiutarmi a vestire il bambino mentre preparo la colazione? Le restaurant est ouvert tard le vendredi. Il ristorante è aperto fino a tardi il venerdì. Pourriez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Puoi parlare un po' più lentamente, per favore? Je pense que vous avez raison, c'est une bonne idée. Penso que tu abbia ragione, è una buona idea. Il est important d'être constant dans ses études pour obtenir des résultats. È importante essere costanti nello studio per vedere dei risultati. Je suis très critique envers moi-même et cela me conditionne. Sono molto critico con me stesso e questo mi condiziona. Il est difficile de trouver un bon restaurant ouvert à cette heure-ci. È difficile trovare un buon ristorante aperto a quest'ora? Je pense que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez. Penso che tu sia in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo ti prefica. Je ne veux pas vous blesser, mais je dois être honnête. Non voglio ferire i tuoi sentimenti, ma devo essere onesto. Je préfère une approche plus conservatrice des investissements. Preferisco un approccio più conservativo agli investimenti. Je suis très fier de ce que j'ai accompli cette année. Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti quest'anno. J'ai toujours du mal à dormir dans l'avion ou le train. Trovo sempre difficile dormire in aereo o in treno. Comment faites-vous pour vous endormir si rapidement Comment vous ad addormentarti così velocemente Voulez-vous entendre une blague qui m'a fait beaucoup rire aujourd'hui Volete sentire una barzelletta che mi ha fatto molto ridere oggi Ce livre est très vieux, il a des siècles d'histoire. Quel libro è molto vecchio, a secoli di storia. J'aimerais découvrir de nouveaux endroits où voyager l'année prochaine. Mi piacerebbe vedere nuovi posti in cui viaggiare l'anno prossimo. Il est important d'agir de manière éthique au travail. È importante agire in modo etico sul lavoro. Pour devenir un expert dans un domaine, il faut des années de pratique et de dévouement. Per diventare un esperto in qualcosa ci vogliono anni di pratica e ed dedizione. J'aime le froid, c'est l'excuse parfaite pour prendre un chocolat chaud. Amo il freddo, è la scusa perfetta per bere una cioccolata calda. Je me sens jeune de cœur, malgré mon âge. Mi sento giovane nel cuore, nonostante l'età. Avez-vous déjà mangé ou voulez-vous que je vous prépare quelque chose? Hai già mangiato o vuoi che ti prepari qualcosa? Mes amis de l'université me manquent beaucoup. Mi mancano molto i miei amici dell'università. Avez-vous eu l'occasion d'observer le comportement des oiseaux? Hai avuto modo di osservare il comportamento degli uccelli? La situation est vraiment extrême, il faut agir vite. La situation è davvero estrema, dobbiamo agire in fretta. J'aime traduire les chansons pour en comprendre le sens. Mi piace tradurre le canzoni per capirne il significato. Je ne comprends pas ce que vous essayez de communiquer, pouvez-vous le réexpliquer Non capisco cosa stai cercando di comunicare. Puoi spiegarmelo di nuovo? Je ne peux pas répondre au l'instant, on m'appelle au téléphone. Non posso venire al telefono in questo momento, mi stanno chiamando al telefono. J'aime vendre des produits faits à la main sur les marchés locaux. Mi piace vendere prodotti fatti a mano nei mercati locali. N'hésitez pas à poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Non esitate a fare domande si se qualcosa non è chiaro. Mon objectif principal cette année est d'apprendre une nouvelle langue. Il mio obiettivo principale quest'anno è imparare una nuova lingua. J'essaie d'oublier les problèmes et de me concentrer sur les aspects positifs. Cerco di dimenticare i problemi e di concentrarmi sugli aspetti positivi. J'aime la cuisine italienne, les pâtes sont mon plat préféré. Amo la cucina italiana, la pasta è il mio piatto preferito. Il est important d'avoir un approccio conservatrice du budget. È importante mantenere un approccio conservativo al budget. Je suis là pour vous aider, alors si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Sono qui per aiutarvi, quindi se avete bisogno di qualcosa, chiedete pure. J'essaie de bien organiser mon bureau pour être plus productif. Cerco di tenere la mia scrivania ben organizzata per essere più produttivo. Pour résoudre ce problème, il faut faire des calculs précis. Per risolvere questo problema, è necessario un calcolo accurato. Pouvez-vous me recommander un bon livre à lire cet été? Mi può consigliare un buon libro da leggere quest'estate? J'apprends l'italien parce que je veux visiter l'Italie l'année prochaine. Sto imparando l'italiano perché voglio visitare l'Italia l'anno prossimo. Nous devons definire clairement nos objectifs pour ce projet. Dobbiamo definire chiaramente i nostri obiettivi per questo progetto. J'aimerais aider à préparer cette présentation. Mi piacerebbe aiutarvi a preparare quella presentazione. Ce film est plutôt étrange, mais intéressant. Quel film est piuttosto strano, ma interessante. Je n'aime pas prendre des décisions extrêmes, je préfère l'équilibre. Non mi piace prendere decisioni agli estremi, preferisco l'equilibrio. J'essaie de trouver une raison de rire tous les jours, même les mauvais jours. Cerco di trovare ogni giorno qualcosa per cui ridere, anche nelle giornate storte. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose a fare, j'ai besoin d'y davantage. Non sono sicuro che sia la cosa giusta da fare, devo pensarci meglio. Les jeunes d'aujourd'hui hanno un point di vue très différent. I giovani di oggi hanno una prospettiva molto diversa. Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça. Tu le penses vraiment Non posso credere che tu abbia detto questo. Lo pensi davvero Je ne me considère pas comme un expert, mais j'en sais assez pour vous aider. Non mi considero un esperto, ma so abbastanza per aiutarvi. Mon père est assez conservateur en ce qui concerne les traditions familiales. Mio padre è piuttosto conservatore quando si tratta di tradizioni familiari. J'aimerais vous parler de ce projet. Mi piacerebbe parlare con voi di questo progetto. Je suis toujours ouvert à de nouvelles opportunités d'emploi. Sono sempre aperto a nuove opportunità di lavoro. Je veux en savoir plus sur la culture japonaise. Voglio imparare di più sulla cultura giapponese. Avez-vous besoin de quelque chose au magasin pendant mon absence? Vuoi qualcosa dal negozio mentre sono via? Je ne sais pas quel mot utiliser, je dois le traduire en anglais. Non so che parola usare, devo tradurla in inglese. Sans m'itoufler, il fait froid dehors. Avvolgiti al caldo, fuori si gela. La communication non-verbale est également importante pour transmettre les émotions. La communication non-verbale est importante anche per trasmettere les emozioni. Puis-je suggérer quelque chose pour résoudre le problème? Posso suggerire qualcosa per risolvere il problema? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez dans ce magasin? A trovato quello che cercava in quel negozio? Je cherche un moyen de concilier mon emploi du temps pour pouvoir assister aux deux cours. Sto cercando un modo per conciliare i miei impegni in modo da poter frequentare entrambe le lezioni. J'aimerais aller dîner dans un nouvel endroit ce soir. Vorrei uscire a cena in un posto nuovo stasera. Nous apprenons et grandissons grâce à nos expériences. Impariamo e cresciamo attraverso le nostre esperienze. Il m'arrive de douter de ma capacité à relever de nouveaux défis. A volte dubito di essere in grado di affrontare nuove sfide. J'essaie d'observer mes pensées en période de stress. Cerco di osservare i miei pensieri nei momenti di stress. Il est important de recevoir des critiques constructives pour s'améliorer. È importante ricevere critiche costruttive per migliorare. Est-ce la bonne réponse? È la risposta giusta. Je me réjouis de faire une sieste après le travail. Non vedo l'ora di fare un pisolino dopo il lavoro. La pratique constante est la clé de l'amélioration dans n'importe quelle discipline. La pratique constante est la chiave per migliorare in qualsiasi disciplina. J'aime manger des fruits frais au petit déjeuner. Mi piace mangiare frutta fresca a colazione. Je me sens un peu bizarre ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe. Ultimamente mi sento un po' strano, non so cosa stia succedendo. Pourriez-vous appeler le plombier pour qu'il répare le tuyau? Potresti chiamare l'idraulico per riparare il tubo? J'aime bien ce magasin d'antiquité avec ses vieux meubles. Mi piace quel negozio di antiquariato con i mobili antichi. Il est toujours bon de demander avant de prendre une décision importante. È sempre bon de bene chiedere prima di prendere una décision importante. Il est parfois difficile de rester concentré sur un objectif précis. A volte è difficile rimanere concentrati su un obiettivo specifico. J'ai oublié de rendre ces livres à la bibliothèque. Ho dimenticato di restituire quei libri alla biblioteca. J'essaie d'apprendre une nouvelle langue pour pouvoir traduire sans aide. Sto cercando di imparare una nuova lingua per poter tradurre senza aiuto. J'aimerais passer plus de temps avec ma famille. Vorrei poter passare più tempo con la mia famiglia. Il est important d'éviter les comportements extrêmes dans la vie quotidienne. È importante evitare comportements comportamenti estremi nella vita quotidienne. Vous sortez avec des amis le week-end? Uscite con gli amici nel weekend. Savez-vous comment vendre des objets en ligne en toute sécurité? Sapete come posso vendere cose online in modo sicuro? Le froid me donne la chair de poule. Il freddo mi fa venire la pelle d'oca. C'est une attitude typique des jeunes qui aiment l'aventure. È un atteggiamento tipico dei giovani che amano l'avventura. Une communication ouverte est essentielle pour résoudre les malentendus. La communication aperta è fondamentale per risolvere i malintesi. L'atmosphère de ma ville natale me manque. Mi manca l'atmosfera della mia città natale. J'essaie d'être critique mais juste lorsque j'évalue les situations. Cerco di essere critico ma giusto quando valuto le situazioni. Parfois, il vaut mieux demander deux fois pour être sûr. A volte, è meglio chiedere due volte per essere sicuri. Il est très fiable, il tient toujours ses promesses. Lui est molto affidabile, mantiene sempre ciò che promette. Il est important de concilier les opinions de chacun pour parvenir à un accord. È importante conciliare le opinioni di tutti per raggiungere un accordo. Je ne pense pas qu'il soit éthique de mentir pour obtenir ce que l'on veut. Non credo sia etico mentire per ottenere ciò che si vuole. Se hai bisogno d'aide, vous recommander un buon meccanicien. Se hai bisogno di aiuto, posso consigliarti un buon meccanico. Se è veramente un mauvais comportamento, dovresti scusarti. È un comportamento davvero scorretto, dovresti scusarti. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et le repos. È importante un C'est étrange que les choses changent si vite parfois. J'essaie toujours d'être aussi précis que possible lorsque je donne des instructions. Cerco sempre di essere il più preciso possibile quando do istruzioni. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ces moments-là. Quando ero giovane, mi piacevano molto questi momenti. Il est parfois difficile de parler de ses sentiments. A volte è difficile parlare dei propri sentimenti. J'aime garder l'esprit ouvert aux différentes opinions. Mi piace mantenere una mentalità aperta alle diverse opinioni. Pouvez-vous communiquer avec le client pour résoudre ses problèmes? Riesci a comunicare con il cliente per risolvere le sue preoccupazioni? J'ai hâte de rencontrer votre frère lorsqu'il viendra nous rendre visite. Non vedo l'ora di conoscere tuo fratello quando verrà a trovarci. Il è importante essere fieri di ciò che l'on è e di ce che l'on fait. È importante essere orgogliosi di ciò che si è e di ciò che si fa. Il è toujours bon d'aider les autres lorsqu'ils en ont besoin. È sempre bene aiutare gli altri quando ne hanno bisogno. Mon objectif est d'améliorer mes compétences en matière de communication. Il mio obiettivo è migliorare le mie capacità di comunicazione. Ma sœur est, est très organisée, elle a toujours tout à sa place. Mia sorella è molto organizzata, ha sempre tutto al suo posto. L'humour est un excellent moyen de faire rire les gens. L'umorismo è un modo meraviglioso per far ridere le persone. J'aime m'habiller de manière décontractée le weekend. Mi piace vestirmi in modo casual nei fine settimana. J'essaie de faire ce qu'il faut dans toutes les situations où je me trouve. Cerco di fare la cosa giusta in ogni situazione in cui mi trovo. Pouvons-nous vraiment parler de ce qui s'est passé hier? Possiamo davvero parlare di quello che è successo ieri? Le restaurant italien au coin de la rue propose les meilleures pizzas. Il ristorante italiano all'angolo ha le pizze migliori. Pouvez-vous traduire ce document avant la réunion? Puoi traduire quel documento prima della riunione? Ne sous-estimez pas votre sœur, elle est très capable et talentueuse. Non sottovalutare tua sorella, è molto capace e talentuosa. J'aimerais demander au professeur d'en discuter en classe. Vorrei chiedere all'insegnante di parlarne in classe. Je ne veux rien imposer, juste suggérer une option à considérer. Non voglio imporre nulla, ma solo suggerire un'opzione da considerare. Asciutto ben dormi la nuit dernière o asciutto ancora avuto insomnia? Hai dormito bene stanotte o hai avuto di nuovo l'insonnia? Je ne peux pas sortir maintenant, je suis occupé par mon travail. Non posso uscire adesso, sono impegnato con il lavoro. Le stress me fait parfois manger plus que d'habitude. A volte lo stress mi fa mangiare più del solito. Je ne me sens pas très bien, je pense que je tombe malade. Non mi sento molto bene, credo che mi stia ammalando. Il est important d'avoir un plan bien organisé avant de commencer un projet. È importante avere un piano ben organizzato prima di iniziare un progetto. Je ne peux pas sortir, j'ai froid. Non posso uscire, ho un freddo cane. J'aime être indépendant et prendre mes propres décisions. Mi piace essere indipendente e prendere le mie decisioni. La résolution de cet énigme m'a pris plus de temps que prévu. Risolvere questo indovinello mi ha richiesto più tempo del previsto. Le moment critique est arrivé et nous devons prendre une décision. Il momento critique est arrivato e dobbiamo prendere una decisione. Je voudrais attirer votre attention sur un détail important. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un dettaglio importante. Je cherche un mécanicien fiable pour réparer ma voiture. Sto cercando un meccanico affidabile per riparare la mia macchina. Le scientifique passent des heures à observer le comportement des animaux. Gli scienziati passano ore a osservare il comportamento degli animali. Il n'est jamais trop tard pour se sentir jeune e profiter della vie. Non è mai troppo tardi per sentirsi giovani e godersi la vita. Il est important de se fixer des objectifs réalistes pour réussir. Est important de fixer des objectifs réalistes pour successo. Il est passionnant de voir les élèves progresser dans leur apprentissage. Est émouvant de voir les crescere dans leur apprendimento. Ma grand-mère a une vieille recette de gâteau qui est délicieuse. Mia nonna ha una vecchia ricetta per una torta che è deliziosa. La difficoltà della traduzione è de rendre le ton et le sens exact. La difficoltà nel tradurre è catturare il tono e il significato esatto. Parfois, la pressione nous pousse a prendre des mesures extrêmes. A volte, la pressione ci porta a prendere misure estreme. La méditation m'aide à réconcilier mes pensées et mes émotions. La méditation m'aide à réconcilier mes pensées et mes émotions. Il est important de pardonner et d'oublier pour aller de l'avant. Est important de pardonner et d'oublier pour aller de l'avant. Il est parfois difficile de communiquer ce que l'on ressent vraiment. A volte è difficile comunicare ciò che si prova veramente. On m'a recommandé cette nouvelle emission de television, il faut que je la regarde. Mi hanno consigliato questo nuovo programma televisivo, devo guardarlo. Ma sœur è très indépendante, elle a toujours été autonome. Mia sorella è molto indipendente, è sempre stata autosufficiente. La procédure de demande de visa est un peu compliquée. Il processo di richiesta del visto è un po' complicato. Pouvons-nous rester au lit un peu plus longtemps et dormir un peu plus Possiamo restare a letto un po' di più e dormire un po' di più Mes parents sont toujours fiers de mes efforts. I miei genitori sono sempre pieni di orgoglio per i miei sforzi. J'essaie de vendre mes idées lors des présentations au travail. Cerco di vendere le mie idee durante le presentazioni al lavoro. C'est passionnant de rencontrer des gens qui ont des points de vue différents. stimolante incontrare persone con punti di vista diversi. J'ai passé une assez mauvaise journée au travail aujourd'hui. Rien ne s'est passé comme prévu. Oggi ho avuto una brutta giornata al lavoro, niente è andato come previsto. Mon ami parla couramment l'italiano, c'est impressionant. Il mio amico parla correntemente l'italiano, è impressionante. Pouvez vous parler au téléphone maintenant ou êtes-vous occupé? Puoi parlare al telefono ora o sei occupato? Parfois. Il est bon de sortir de la routine quotidienne et de faire quelque chose de différent. A volte è bene uscire dalla routine quotidiana e fare qualcosa di diverso. Je suis ouvert à vos suggestions pour améliorer le projet. Sono aperto ai vostri suggerimenti per migliorare il progetto. Tu n'as pas froid dans ces vêtements légers? Non senti freddo con quei vestiti leggeri? Je pense qu'il est plus prudent d'adopter une approche conservatrice dans cette situation. Credo che que in questa situazione sia più sicuro adottare un approccio conservativo. Tu as raison, ce n'est pas bien de traiter quelqu'un comme ça. Hai ragione, non è giusto trattare qualcuno in questo modo. Nous voulons tous être heureux, n'est-ce pas Tutti vogliamo essere felici, non è vero? J'essaie de faire de l'exercice régulièrement pour rester en forme. Cerco di mantenere un'attività fisica costante per mantenermi in forma. Êtes-vous en mesure de terminer ce projet d'ici demain Riuscirà a finire quel progetto entro domani? Dans ce genre de situation, il est parfois difficile de trouver la vérité. Trovare la verità a volte è complicato in queste situazioni. Il est parfois difficile de traduire les blagues, elles perdent leur côté drôle. A volte è difficile tradurre le battute, perdono il loro lato divertente. Je ne peux m'empêcher de rire chaque fois que je regarde cette vidéo, elle est hilarante. Non posso fare a meno di ridere ogni volta che que guardo quel video, è così divertente. Les compétences en matière de résolution de problèmes critiques sont essentielles. La capacité di résoudre les problèmes in modo critique est essentielle. Pouvez-vous appeler le serveur pour l'addition, s'il vous plaît? Puoi chiamare il cameriere per il conto, per favore? Il n'est pas bon de juger quelqu'un juste à cause d'un mauvais moment. Non è bene giudicare qualcuno solo per un momento negativo. N'oubliez pas de manger quelque chose avant de partir, je ne veux pas que vous ayez faim. Après. Non dimenticate di mangiare qualcosa prima di uscire, non voglio che poi abbiate fame. Je ne dirai jamais assez à quel point je suis fier de mes enfants. Non potrò mai dire abbastanza di quanto sono orgoglioso dei miei figli. Demain, nous avons un test dans le laboratoire de physique. Domani abbiamo un test nel laboratorio di fisica. J'aime le bruit de la pluie, cela me permet de mieux dormir. Mi piace il suono della pioggia, mi fa dormire meglio. Je vous suggère de revoir ce document avant de l'envoyer. Le consiglio di rivedere quel documento prima di spedirlo. Pouvez-vous sortir un instant pour réceptionner le colis qui est arrivé? Puoi uscire un attimo per ricevere il pacco che è arrivato? J'aime communiquer par écrit pour exprimer mes idées. Mi piace comunicare attraverso la scrittura per esprimere le mie idee. Je me demandais si vous pouviez me donner votre avis sur ce sujet. Mi chiedevo se potesse darmi la sua opinione su questo argomento. Le travail que vous avez réalisé sur ce projet est magnifique. Il lavoro que avete fatto su questo progetto è magnifico. Parfois, la vie nous met face à des défis difficiles à relever. A volte la vita ci presenta sfide difficili da superare. Je ne peux pas oublier cette chanson, elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Non posso dimenticare questa canzone, mi fa venire in mente molti ricordi. Il è toujours bon d'être poli avec ses voisins. Essere educati con i vicini è sempre una buona pratica. J'ai besoin d'une réponse per faire avancer le projet. Ho bisogno di una risposta precisa per portare avanti il progetto. Si vous avez besoin d'aide, je serai là pour répondre à vos questions. Se avete bisogno di aiuto, sarò qui per rispondere alle vostre domande. Je ne veux pas être trop critique, mais il y a des points à améliorer. Non voglio essere troppo critico, ma ci sono aree che potrebbero essere migliorate. Ne laissez pas votre fierté vous empêcher de demander de l'aide si vous en avez besoin. Non lasciate che l'orgoglio vi impedisca di chiedere aiuto se ne avete bisogno. Je ne sais pas comment je peux vous aider, mais je serai là pour vous soutenir. Non so come posso aiutarvi, ma sarò qui per sostenervi. L'entreprise ha un code d'éthique que tout le monde doit respecter. L'azienda ha un codice etico che tutti devono seguire. J'ai proposé de traduire pour les touristes qui visitent la ville. Mi sono offerto di tradurre per i turisti che visitano la città. Nous allons voir un film italien ce soir, ils disent qu'il est génial. Stasera andremo a vedere un film italiano, dicono che sia fantastico. Le marché financier est plus conservateur en raison de l'incertitude. Il mercato finanziario è più conservativo a causa dell'incertezza. On grandi davantage lorsqu'on est confronté a dei défis. Si cresce di più quando si affrontano le sfide. Il è importante riconoscere quelque qualcosa non va e cercare di migliorarlo. È importante riconoscere quando qualcosa non va e cercare di migliorarlo. Je cherche un appartement pour vivre de façon indépendante. Sto cercando un appartamento per vivere in modo indipendente. Je pense qu'il est important de connaître ses limites et de les respecter. Credo sia importante conoscere i propri limiti e rispettarli. Comment aimez-vous vous habiller lorsque vous sortez le soir Come ti piace vestirti quando esci la sera? Je ne sais pas si je peux courir sur cette distance, mais je vais essayer. Non so se si riuscirò a correre per quella distanza, ma ci proverò. J'ai trouvé une vieille pièce de monnaie dans la cave de ma maison. Ho trovato una vecchia moneta nella cantina di casa mia. Parler en public me rend nerveux, mais je m'améliore. Parlare in pubblico mi rende nervoso, ma sto migliorando. J'ai parfois du mal a organizzare mon emploi con tanta attività. A volte faccio fatica a organizzare il mio programma con così tante attività. Le froid mi danno envie di restare a casa tutta la giornata. Il freddo mi fa venire voglia di stare a casa tutto il giorno. Il est difficile de comprendre certaines personnes dans certaines situations. Il est difficile capire alcune persone in certe situazioni. Il est important de prendre la bonne décision dans les moments difficiles. è importante prendere la decisione giusta nei momenti difficili. Votre nouvelle peinture est magnifique, elle capture vraiment l'émotion. Il suo nuovo quadro è magnifico. Cattura davvero l'emozione Pouvez-vous me conseiller un endroit où faire de l'exercice dans les environs? Mi può consegnare un posto dove fare ginnastica qui vicino? Ma sœur garde toujours la porte d'entrée ouverte pour les amis et la famille. Mia sorella tiene sempre la porta di casa aperta per amici e parenti. Je m'efforce de résoudre mes problèmes de discipline. Sto lavorando per risolvere i miei problemi di disciplina. J'ai hâte de traduire ce roman en allemand, c'est un défi. Non vedo l'ora di tradurre questo romanzo in tedesco, è una sfida. Dormir à la Belle Étoile est l'une de mes expériences préférées. Dormire sotto le stelle è una delle mie esperienze preferite. Il est important d'avoir des informazioni precise avant de prendre des decisions. È importante avere informazioni precise prima di prendere decisioni. Il fait si froid aujourd'hui, mieux vaut ne pas sortir sans manteau. Che freddo fa oggi? Meglio non uscire senza cappotto. Le climat de cette région peut être extrême en hiver. Il clima in questa regione peut être estremo in inverno. Il est toujours bon d'avoir des amis qui vous font rire dans les moments difficiles. È sempre bene avere degli amici che ti fanno ridere nei momenti difficili. La situation actuelle nécessite une analyse critique pour aller de l'avant. La situazione attuale richiede un'analisi critica per andare avanti. La musique peut communiquer des émotions de manière puissante. La musica può comunicare le emozioni in modo potente. J'ai été fier de voir mon frère obtenir son diplôme. Mi ha reso orgoglioso vedere mio fratello laureato. la vérité finit toujours par éclater tôt ou tard la vérité vient sempre à galla prima o poi si je peux me permettre je pense que c'est la meilleure option se posso suggerire credo che questa sia l'opzione migliore j'essaie d'élever mes enfants pour qu'ils soient indépendants et confiants. Cerco di crescere i miei figli in modo che siano indipendenti e sicuri di sé. J'ai oublié d'appeler le médecin per prendre rendez Ho dimenticato di chiamare il medico per fissare l'appuntamento. Ce n'è pas de votre faute, parfois le choses comme ça. Non è colpa tua, a volte le cose succedono e basta. J'essaie de manger plus sainement, mais c'est parfois difficile. Cerco di mangiare in modo più sano, ma a volte è difficile. Je pense qu'il est moral d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Credo che sia etico aiutare chi ha più bisogno. Les vendeurs doivent être persuasifs pour vendre leurs produits. I venditori devono essere persuasivi per vendere i loro prodotti. Mon grand-père possède une horloge ancienne qui fonctionne encore parfaitement. Mio nonno ha un orologio antico che funziona ancora perfettamente. Les vrais amis peuvent parler de tout sans se juger les uns les autres. I veri amici possono parlare di tutto senza giudicarsi a vicenda. J'essaie de m'habiller avec des vêtements qui reflètent ma personnalité. Cerco di vestirmi con abiti qui riflettano la mia personnalité Le laboratoire de biologie est équipé d'une technologie de pointe. Il laboratorio di biologia est dotato di technologies avanzate Nous pouvons apprendre beaucoup de choses en observant le comportement humain. Possiamo imparare molto osservando il comportamento umano. La décision que je dois prendre est vraiment compliquée. La decisione che devo prendere è davvero complicata. Je ne suis pas très régulier dans mes habitudes de lecture, mais j'y travaille. Non sono molto coerente con le mie abitudini di lettura, ma ci sto lavorando. Je me sens coupable d'avoir oublié ton anniversaire, je suis vraiment désolé. Mi sento in colpa per aver dimenticato il tuo compleanno, mi dispiace molto. La soupe chaude è il meilleur moyen di contro le froid. Una zuppa calda è il modo migliore per combattere il freddo. Mon ami une très pour se des dates Il mio amico ha una memoria molto precisa per ricordare le date importanti. Mon ami m'a recommandé ce produit et il fonctionne vraiment. Il mio amico mi ha consigliato questo prodotto e funziona davvero. C'est vrai, voici la réponse que nous cherchions. Proprio così, questa è la risposta che stavamo cercando. Pouvez-vous me présenter votre ami J'aimerais le rencontrer. Puoi presentarmi il tuo amico? Mi piacerebbe conoscerlo. Besoin d'aide avec les sacs de course? Hai bisogno di aiuto con le borse della spesa? Je ne veux blâmer personne, nous voulons juste trouver une solution. Non voglio dare la colpa a nessuno, vogliamo solo trovare una soluzione. Je pense que je peux vous aider, je ne suis pas un expert mais je m'y connais un peu. Penso di potervi aiutare. Non sono un'esperta, ma ne so qualcosa. Vous pouvez demander à la réception, ils vous aideront dans votre demande. Potete chiedere alla reception, vi aiuteranno a soddisfare la vostra richiesta. Cette maison a une conception architecturale très ancienne et très belle. Quella casa ha un design architettonico molto antico e bello. Il est parfois judicieux de prendre des décisions prudentes. A volte essere conservatori nelle decisioni può essere saggio. Réunissons-nous et réglons cette question une fois pour toutes. Riuniamoci per risolvere la questione una volta per tutte. J'envisage de créer ma propre entreprise l'année prochaine. Sto pensando di avviare un'attività in proprio l'anno prossimo. Je pense qu'un bon matelas est essentiel pour une bonne nuit de sommeil. Credo che un buon materasso sia fondamentale per dormire bene. Il est très compétent dans son domaine d'expertise. Lui est molto capace nel suo settore di competenza. Je ne sais pas ce que je veux pour le dîner, il y a tellement de choix. Non so cosa voglio per cena, ci sono così tante opzioni. Je n'arrive pas à croire à quel point il s'est ouvert à ses expériences personnelles. Non riesco a credere a quanto sia stato aperto riguardo alle sue esperienze personali. La musique me fait toujours sentir libre. La musica me fa sempre sentir libero. Avez-vous déjà oublié où ou vous avez laissé vos clés Avete mai dimenticato dove avete lasciato le chiavi? Il est parfois difficile d'habiller les enfants pour qu'ils soient à l'aise et présentables. A volte è difficile vestire i bambini per essere comodi e presentabili. Le retour d'informations critiques nous aide à progresser en tant qu'équipe. Il feedback critico ci aiuta a crescere come squadra. J'essaie de communiquer à mes enfants l'importance de l'empathie et du respect. Cerco di comunicare ai miei figli l'importanza dell'empatia e del rispetto. Voulez-vous manger à la maison ou préférez-vous aller au restaurant? Le piacerebbe mangiare a casa o preferisce andare a cena fuori? J'aime aller courir le matin pour commencer la journée. Mi piace andare a correre al mattino per iniziare la giornata. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes, il faut trouver un juste milieu. Non possiamo arrivare agli estremi. Dobbiamo trovare una via di mezzo. C'est bien de pouvoir passer les vacances en famille. È bello poter trascorrere le vacanze con la famiglia. Voulez-vous vendre des billets pour l'événement caritatif? Vuole vendere i biglietti per l'evento di beneficenza? Je cherche un moyen d'aider la communauté. Sto cercando un modo per aiutare la communauté. Puis-je vous suggérer une activité à faire ensemble ce week-end? Posso suggerire une activité à faire insieme questo fine settimana? J'essaie d'éviter les situations compliquées dans la mesure du possible. Cerco d'éviter les situations complicate quando è possibile. Il faut parfois du temps et de la réflexion pour apprendre à se connaître soi-même. A volte ci vuole tempo e riflessione per conoscere se stessi. L'équipe de football nous remplit de fierté à chaque fois qu'elle gagne. La squadra di calcio ci riempie di orgoglio ogni volta che vince. Mes parents sont un peu plus conservateurs. I miei genitori sono un po' più conservatori. Mes mains s'engourdissent lorsqu'il fait très froid. Les mie mani si intorpidiscono quando fa molto freddo. Je travaille dans une entreprise de technologie et j'aime mon travail. Lavoro in un'azienda tecnologica e amo il mio lavoro. Il est important d'avoir des amis en qui on peut avoir confiance. È importante avere amici di cui ci si può fidare. C'est incroyable ce que l'esprit humain est capable de réaliser. È incredibile ce que la mente umana est in grado di realizzare. Parfois, le choix le moins populaire est le bon. A volte la scelta meno popolare è quella giusta. Ne vous inquiétez pas, votre vérité est importante pour moi. Non preoccupatevi, la vostra verità è importante per me. J'essaie de faire mon travail avec passion et dévouement. Cerco di fare il mio lavoro con passione e dedizione. Les pluies incessantes affectent l'état des routes. La pioggia incessante influisce sullo stato delle strade. Il est essentiel d'être critique mais respectueux lorsque l'on donne son avis sur le travail d'autrui. Essere critici ma rispettosi è fondamentale quando si dà un feedback sul lavoro degli altri. Je recommande vivement ce film, il est très émouvant. Consiglio vivamente quel film, è molto commovente. Sa façon de parler est toujours très poli et aimable. Il suo modo di parlare è sempre molto educato e gentile. La présentation était tout simplement magnifique, impressionnante. La présentation est stata semplicemente magnifica, impressionnante. Pourriez-vous nous parler de cette question un instant? Le dispiacerebbe parlare di questo problema per un momento? Le maintien d'une communication constante est essentiel dans toute relation. Mantenere una comunicazione costante è essenziale in qualsiasi relazione. Vous souvenez-vous de la fois où nous avons tellement ri que nous avons pleuré? Ricordate quella volta che abbiamo riso così tanto da piangere? La capacità a traduire correttamente è très appréciée lieu de travail. La capacità di tradurre correttamente è molto apprezzata sul posto di lavoro. La résolution des conflits nécessite parfois de la compréhension et de la patience. A volte la résolution des conflits richiede comprensione compréhension et patience. Cette idée est plutôt extrême, nous devrions envisager d'autres options. Cette idea est plutôt extrême, nous devrions altre d'autres options. Votre expérience peut aider d'autres personnes à surmonter des situations similaires. La vostra expérience peut aider les autres à superare situations similaires. Je suis ouvert au changement, pour autant qu'il soit positif. Je qu'ils Je dois résoudre ce problème le plus rapidement possible. Devo risolvere questo problema il più rapidamente possibile. La décision que j'ai prise est la plus éthique dans la situation. La decisione che ho preso è la più etica della situazione. Avant de poursuivre, puis-je vous poser une question sur votre expérience? Prima di continuare, le dispiace se le chiedo qualcosa sulla sua esperienza? Je suis en train de restaurer un vieux tableau que j'ai trouvé dans le grenier. Sto restaurando un vecchio quadro che ho trovato in soffitta. Pensez-vous pouvoir préparer une recette aussi compliquée? pensez di essere in grado di preparare una ricetta così complicata? La confiance en soi est la clé de l'épanouissement personnel. La fiducia in se stessi è la chiave della crescita personale. J'essaie de faire comprendre aux gens l'importance de la durabilité. Cerco di faire capire l'importance de la sostenibilità. Vous avez proposé une solution créative que je n'aurais jamais envisagée. Lei ha suggerito una solution creativa che non avrei jamais preso in considerazione. N'oublie pas de t'habiller chaudement, il fait très froid dehors. Non dimenticate di vestirvi caldi, fuori fa molto freddo. Volevo che io vi raconte ce che è successo alla riunione d'hier? Vuoi che ti racconti cosa è successo ieri alla riunione? C'est impressionnant d'écouter un vrai expert. È impressionante ascoltare un vero esperto in materia. pourriez vous quitter la pièce un instant? J'ai besoin de me concentrer. Le dispiacerebbe uscire dalla stanza per un momento? Ho bisogno di concentrarmi. La situation professionnelle actuelle est devenue assez compliquée. La situation lavorativa attuale è diventata piuttosto complicata. J'essaie de suivre une routine de coucher pour me détendre. Sto cercando di seguire una routine di letto per rilassarmi. J'ai besoin d'un espace de travail plus organisé pour mieux me concentrer. Ho bisogno di uno spazio di lavoro più organizzato per concentrarmi meglio. Les plats cuisinés à la maison ont toujours meilleur goût, vous ne trouvez pas? Il cibo cucinato in casa è sempre più buono, non crede? Je préfère une approche conservatrice de la gestion des risques. Preferisco un approccio conservativo alla gestione del rischio. J'aurais aimé être plus utile dans cette situation. Avrei voluto essere più utile in quella situazione. Le concert d'hier soir était génial, la musique était fantastique. Il concerto di ieri sera è stato grandioso. La musica era fantastica. Il est toujours bon de recommander quelqu'un dont on sait qu'il fera du buon travail. È sempre bene raccomandare qualcuno che si sa che farà un buon lavoro.